J'ai dit à ma mère que je venais chercher un cahier. Et toi, tu me parles de questions de bébé. Tu veux que mon père me tue ou quoi? Oh, calme-toi, mon pote. Je suis le jeune bébé. Ça m'arrange pas tout aussi. Pas me tuer. Aïe. Non, tu es. Ah. Non, non, non. Ici. Tu es là. Madame fait les affaires maintenant et moi je continue de payer ses études. Comment tu t'appelles et où tu habites? Je m'appelle Siri. Oui, voilà. Je savais. Siri. Tu bouges pas, hein? Tu te rends même pas. Attrape ton cœur. Vous, maintenant, vos jeux préférés, vous avez fini, c'est de jouer au Ludo et puis incertez nos enfants. C'est dans ça que vous êtes fort. C'est ma camarade d'école. Ta camarade d'école? Lycée jeune fille là. Il y a un garçon dedans maintenant. Un arbitre! Mais c'est ton frère, ton frère! Non, je suis pas un arbitre, d'accord? Je n'ai pas mis quelque chose dans la situation. Et toi, qu'est-ce que tu fais pour me guider à la confesse de mon père? Je sais que tu es un négociant! C'est ton père, hein? Tu es un négociant! Il est hors de danger. C'est pourquoi nous allons devoir le garder pendant 24 heures. Et faites-moi un certificat médical. Je vais porter plainte contre celui qui a fait ça. Vous connaissez celui qui a fait ça? Oui, un bandit de grand chemin. Un vaurien. Mon fils n'est pas un bandit. Il vivait chez lui tranquillement. Eh ben, moi je suis moi. Vous êtes moi. Oui, c'est ça. Et vous, monsieur? Je suis Yacouba. Cher monsieur, vous me mettez dans un total embarras. Connaissez-vous un peu les alliances ethniques? Ouais, un peu. Oui, monsieur le commissaire. Par conséquent, nous devons cultiver la tolérance, la solidarité, la convivialité, la paix et le respect entre les peuples. Pour ne pas qu'on nous deux peuples. Bon, je donne ma langue au chat pour ne pas vider mon crachat. Mon fils que voici est un commissaire de la police. Il m'a appelé. Il me dit que un enfant de notre groupe ethnique, moi, a blessé gravement un autre enfant qui est Yacouba. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Les alliances ethniques apparentées à plaisanterie pouvaient nous faire éviter la guerre.